Salut à tous, c'est Alizé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena, une nouvelle présentation de deck. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un duo de couleurs que je n'ai pas vu performer depuis très 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 longtemps. Je n'ai même plus de souvenir de quand est-ce qu'un Golgari était présent dans le top 5 des decklists les plus joués ou à performer. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le Golgari Midrange. Comme d'habitude, présentation du deck et des matchs pour du gameplay. Le petit Golgari Midrange, c'est donc la decklist que je vais vous présenter ici. Alors, 99,9% des cartes présentes dans cette decklist-là sont des cartes connues. Il y a une petite nouveauté qui génère énormément de value dans cette decklist-là provenant des friches d'Eldraine. Et je sais pas, j'aime bien le feeling avec cette decklist, même si j'ai une impression de pas terminer. En fait, je pense que cette decklist-là a un fort potentiel, il y a énormément de value, énormément de gestion, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour vraiment avoir ce potentiel de stabilité et de finish. C'est le ressenti que j'en ai après une dizaine de parties jouées avec. Et je sais pas, il y a un petit truc qui me perturbe, qui me gêne dans cette decklist-là, mais je la trouve extrêmement intéressante et fraîche à jouer, ne serait-ce que de par les couleurs, et puis par cette génération de value qui est presque inépuisable. Je trouve ça très très fort. Alors, si jamais cette decklist vous intéresse, comme d'habitude, vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus, ça vous emmènera sur l'intégralité des cartes que je vais vous présenter ici. Et si jamais cette decklist vous intéresse et que vous voulez la tester, vous allez pouvoir importer tout simplement la liste pour jouer sur votre Magic Arena et vous faire votre propre avis. On va commencer par la présentation des cartes en commençant par les manas les plus bas. Dormeur évolué, une petite 1-1 créature humain pour un mana noir qui se transforme. Pour un mana noir supplémentaire, elle devient une 2-2. Pour 2 manas, un mana noir, mana color, elle devient une 3-3 avec le contact mortel. Et pour 3 manas, 2 mana noir, un mana color, ça devient une finalement 3-3 avec un marqueur plus 1 sur elle. Et vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Sachant que il est nécessaire de faire les différentes évolutions 1, 2, 3 avant de pouvoir payer 3 mana pour rajouter un marqueur plus 1 et piocher une carte et perdre un point de vie. Sachant que celui-ci, vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez et que vous le pouvez. On a des antibêtes, bien entendu, exterminer éphémère pour un mana noir qui permet de détruire une créature ciblée avec une force et une endurance totale inférieure ou égale à 5. On passe ensuite au tour 2 avec un autre anti-bête, droit à la gorge, hein, détruisez une créature non artefact ciblée pour 2 mana, mana noir, mana incolore. On a bien entendu l'édite de Sheoldred, permet pour un mana noir et un mana incolore en éphémère de forcer l'adversaire à sacrifier une créature non jeton, ou à sacrifier un jeton de créature, ou à sacrifier un Planeswalker. On complète ça avec le classique Outsider Tenace, petite 3-2 pour 2 mana, un mana noir, un mana incolore qui a la capacité Blitz, donc pour 4 mana, 2 mana noir, 2 mana incolore et vous payez 2 points de vie. Vous pouvez la lancer depuis votre cimetière, donc c'est une des cartes qui va générer de la value ici, donc c'est-à-dire que l'Outsider Tenace, on va pouvoir le rejouer depuis le cimetière pour faire de la menace tout simplement. On a une 3-2 célérité qu'on va devoir sacrifier à la fin du tour, mais en plus de ça, le fait de pouvoir piocher une carte quand il est sacrifié ou quand il meurt avant la fin du tour. On a ensuite la petite nouveauté ici, c'est le chevalier de l'effroi du bois moussu. Donc c'est une petite créature 3-2 piétinement pour 2 mana, 1 mana vert, 1 mana incolore. Et globalement, quand il est envoyé dans le cimetière, quand il meurt tout simplement, vous pouvez jouer cette carte-là pour son aventure. Donc un mana noir, un mana incolore, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, ce qui fait que jusqu'à la fin de votre prochain tour, ce qui fait que ensuite vous allez pouvoir rejouer le chevalier de l'effroi du bois moussu. Donc vous avez un peu à l'instar de l'Outsider Tenace qui est joué pour 4 mana depuis le cimetière, la possibilité de jouer depuis le cimetière le côté rituel aventure du chevalier de l'effroi du bois moussu pour après pouvoir rejouer le chevalier de l'effroi du bois moussu et ainsi de suite. Tant qu'il n'est pas exilé, vous allez pouvoir faire ça à chaque tour, encore et encore et encore. Même si vous ne pouvez pas jouer la créature en tant que telle, jouer le côté aventure va vous permettre de la mettre dans l'exil, donc de la sortir du cimetière pour pouvoir la rejouer le tour d'après. Et donc vous avez une petite 3-2 piétinement qui vient régulièrement faire son petit bonhomme de chemin, bloquer des créatures adverses ou même ne serait-ce qu'attaquer et de générer tout simplement une menace sans fin.
Nous avons derrière déchiqueté, petit éphémère pour 2 mana, un mana vert, un mana incolore avec un coup de kick d'un mana noir, un mana incolore, qui permet d'exiler une cible, artefact ou enchantement. Et si vous kickez le sort, et ben en fait c'est n'importe quel permanent non terrain à la place. Donc au début vous êtes restreint à juste artefact enchantement. Et derrière, pour 2 mana supplémentaires, vous exilez n'importe quel permanent non terrain. Donc assez intéressant pour se débarrasser de choses qui pourraient nous gêner. Donc ce qui nous ramène au total à 3 exterminés ici, 4 droits à la gorge, on a 2 édits de Sheldred, donc ça fait 4 et 2, 6 et 2, 8 et 3, 11 anti-bet, en tout cas sort de gestion ici pour le moment. On va passer maintenant au tour 3 avec notre intrus du cimetière. 3-3 pour 3 mana, 1 mana noir, 2 mana incolore, qui a la parade des faux avoues d'une carte. Et à chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, vous exilez une carte d'un cimetière. Donc vous pouvez, c'est pas obligatoire. Et si vous exilez une carte de créature de cette manière-là, vous gagnez un point de vie et votre adversaire perd un point de vie. Donc c'est valable pour votre cimetière ou le cimetière de l'adversaire. On a deux petites Lilianas du Voile, le Planeswalker pour 3 mana, 3 marqueurs loyauté, donc 2 mana noir, mana incolore. Son plus 1 permet de faire en sorte que chaque adversaire, chaque joueur, pardon, se défausse d'une carte, vous y compris, mais avec toutes les values qu'on peut potentiellement récupérer grâce à l'Outsider Tenace par exemple, ou au fait de pouvoir piocher avec le côté aventure du chevalier, c'est pas bien grave. Le moins 2 force un joueur à sacrifier une créature et le moins 6 permet de séparer tous les permanents d'un joueur ciblé contrôle en deux tas et un joueur doit choisir finalement un tas et doit sacrifier tous les permanents qui sont dans l'autre tas. On a aussi la petite glissade du soleil, une petite 3-3 initiative contact mortel pour 3 mana, 1 mana vert, 1 mana noir, 1 mana incolore. A chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous choisissez soit de piocher une carte et de perdre un point de vie, soit de détruire un enchantement ciblé, soit de retirer jusqu'à 3 marqueurs d'un permanent ciblé. Donc assez intéressant pour tuer un Planeswalker indirectement, pour détruire des enchantements ou pour piocher des cartes et donc encore générer de la value. Et on va terminer bien entendu tout ce qui est value pioche avec des Sheldred de l'Apocalypse. Une 4-5 pour 4 mana, 2 mana noir, 2 mana incolore. Elle a le contact mortel. À chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Et on termine la curve de ce Golgari Midrange avec le commandement de Jix, un rituel pour 5 mana, 2 mana noir, 3 mana incolore, qui vous permet de choisir 2. De mettre 2 marqueurs plus 1 sur jusqu'à une créature et elle acquiert le Learn jusqu'à la fin du tour. De détruire chaque créature pardon, de force inférieure ou égale à 2. De renvoyer dans votre main jusqu'à 2 quarts de créature depuis votre cimetière. Typiquement, on peut rappeler le chevalier, on peut rappeler l'outsider tenace, Glissa ou Sheldred. Ou chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Donc vous pouvez utiliser ça de manière offensive, défensive, pour récupérer des points de vie, pour nettoyer le board. C'est en fonction de la situation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup ça s'applique. Il y a toujours moyen de faire quelque chose avec le commandement de Jix, quoi. C'est très, très intéressant en fonction des différents cas de figure qu'on pourrait rencontrer. En termes de terrain, le Takenuma, le Bosetsu, on a la petite salle de recrutement et le Mirex ici présent pour générer des petits tokens histoire de pouvoir infliger quelques points de dégâts de ci de là. Mais globalement, voici pour la decklist du Golgari Midrange. On part sur le premier match classé avec le Golgari Midrange. On est platine 4, je crois, un truc comme ça, bientôt platine 3 dans ces eaux là. Alors, deux anti-bêtes, une Sheldred, un commandement. C'est. Le commandement est un peu cher. Sheldred, c'est pas forcément ce qu'on recherche au début. On n'a rien pour générer de la value et on a de la gestion. On va tenter de partir là-dessus. On va jouer la clairière. De toute façon, on n'a pas de tour 1 ici. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à partir sur. On a pas mal de sorts avec des petits coups en mana, des petites créatures, etc. Donc c'est plutôt vers ça qu'on veut se diriger. Mais après, ça peut aussi, en fonction de notre adversaire, aller avec ce genre de main. Donc on verra bien ce que ça va donner. On va le mettre. Ah bah, il n'y a pas vert. Il n'y a pas les 5 couleurs, c'est nul. Bon, on va le mettre violet, mauve. Alors,
Que fait notre adversaire? Est-il présent? Il n'a pas l'air de bouger. Alors, il y en a des fois qui font la feinte comme ça. C'est-à-dire qu'ils laissent le temps passer pour que les gens puissent potentiellement quitter parce que bah, voilà, ça fait une victoire facile, les gens n'ont pas le temps, ils sont pressés ou je sais pas quoi. Ils voient que ça bouge pas, ils veulent pas aller jusqu'au bout des timers, ils se disent que bon, voilà, l'adversaire est relou, je m'en vais. Bon, apparemment, c'est pas le cas. En tout cas, il s'en va pas. Et nous non plus, hein, c'était pas le but. Pour l'instant, il se passe rien. Horns off. Ok, espère. Donc, on est plutôt dans de la réaction. Beaucoup de gestion, beaucoup d'anti-bet au niveau de cette decklist. Sorte de pioche. Tant qu'il fait rien, moi je fais pas grand chose. Petit recyclage. Je vais le laisser venir. On a pas mal de gestion en tout genre. Peut détruire des créatures, des enchantements, des artefacts, des planeswalkers. On fait rien. Voilà, on va attendre que ce monsieur veuille bouger. Allez hop, on va balancer ça. Seul moyen qu'il a pour s'en débarrasser, c'est de l'exiler. Ok. Je vois, je vois. Donc, Vertu va être pris pour cible par Déchiqueté. Ça, c'est clair et net. 4, 1, 2, 3, 4. On va faire ça tranquillement. On va pas non plus le laisser trop. Voilà. Petite glissa, un peu de contre-magie. 1, 2, 3, 4, 5. Quatre. Petit outsider tenace. On garde toujours deux petits manas. Je m'y attendais. Run away. You'll be safer. On fait ça. Il gagne pas de points de vie. À moins qu'il contre. Hop. Et on pioche une petite carte. Alors, on va faire ça, sacrifier un Planeswalker. Il y a un contre des familles qui part potentiellement.
Yes. Donc là, on fait ça comme ça ici. On fait ça comme ça. Me dis pas qu'il est en anti-bête quand même. Oh. Et on termine le tour. Et 2-5, il peut jouer la vertu. Il va pas le faire. On a un petit commandement, donc on se dit qu'on peut laisser passer. On va faire ça. On fait ça. On termine le tour. Pour l'instant, ouais, il génère pas non plus de value que ça. Il attend un peu d'essayer de m'asphyxier. Il va devoir gérer l'outsider en boucle. Et ça, en fait, il attend qu'il y ait des dingueries qui sortent pour pouvoir le jouer, je pense, parce qu'il a pas grand chose. Deux manas de dispo. Je peux essayer d'aller taper dans l'impératrice. Le nombre d'anti-bêtes qu'il a balancé sur le petit outsider. Alors je peux faire ça. Ça sent le petit sort d'exil de zone là. Ok. Sauf qu'il a plus rien pour protéger sa vagabonde. On va pas trop s'exciter. On va rester comme ça, on est bien. On garde la ressource. Strike fast and strike hard. Rien d'intéressant là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Si on attaque, je suis sûr qu'il y a une impératrice.
On va jouer juste le chevalier de l'effroi, on va le jouer tranquille. Voilà, on va le laisser. Voilà. On va faire ça comme ça. Allez hop. Tape une mana. Ça dégage. Par contre, j'ai plus rien contre ça. Bon, après, sachant que c'est exilé, il n'y a rien dans les cimetières. We've got the edge in this fight. On reste comme ça. À petit feu. Sachant qu'on a toujours notre petite maisonnette ici. On récupère un petit déchiqueté. Ah, il va me le tuer. On va mettre ça. J'aurais pu envoyer le chevalier d'effroi à l'attaque, mais j'ai peur qu'il se fasse exiler par une impératrice vagabonde. Il a balancé tellement d'anti-bêtes sur le pauvre petit outsider. Que, mis à part des sorts de gestion de masse, il doit pas lui rester grand chose. On va pas prendre le risque, on prend deux, c'est pas bien grave. Parfait. Alors, 3 mana. On va faire ça. On va jouer. Nobody knows Dominaria shadows like me. On va faire ça. On fait ça bien entendu. Et on va faire comme ceci. Haven't you ever heard of personal space? On garde le déchiqueté up. Et on fait ça. On va l'avoir à l'usure, le petit gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je peux faire ça. Renvoyer les cartes dans ma main. Et chaque et détruisez les forces. Voilà. Du coup, je joue Sheoldred. On attaque. On pioche. On en a une deuxième. Et chaque joueur se défausse d'une carte. Et on va se défausser de l'outsider.
On joue ceci. Quête dédaigneuse. On rejoue ça. On va le forcer à cracher ce qu'il a à cracher. On va se défausser d'un intrus. On va le garder. Ça, on va s'en débarrasser. C'est pas bien grave. On joue ça. Alors, est-ce que tu contres? Yes. On va l'épuiser. L'avantage, c'est que Liliana, du coup, avec le fait de se défausser, on a le chevalier de l'effroi qui nous permet de piocher, de compenser. Donc on a toujours plus de cartes que notre adversaire. On va pouvoir mettre la petite maisonnette. On va pouvoir faire ça comme ça. Puis on était descendu quand même pas mal bas en termes de... En termes de points de vie, 14, 13, on est remonté à 21. Et notre adversaire, ses points de vie fondent comme neige au soleil. Normalement, on se dirige vers la victoire. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. Est-ce qu'il réfléchit ou est-ce qu'il joue la corde? Telle est la question. Mais en tout cas, on a pu voir clairement, là, que ce soit une victoire ou une défaite, le fonctionnement du Golgari, la value que ça génère, le fait de pouvoir faire revenir encore et encore le chevalier, l'outsider tenace, les créatures du cimetière, typiquement comme Sheldred, on va récupérer ce dont on a besoin, ce qui est important pour la decklist. Et on avance, on avance, on avance, on fait attention bien entendu à notre adversaire et à ce qu'il peut jouer potentiellement. L'exil, c'est notre plus grosse crainte, l'exil de masse, mais derrière, on a tellement de sorts qui génèrent de la value que essayer d'aller contre ça, c'est extrêmement compliqué. Et c'est ce qui fait qu'on a pris le dessus sur un esper contrôle, je dirais. En tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige. On lui retire de la ressource. On joue ça. On va simplement aller le titiller avec l'outsider tenace. Voilà, je m'en doutais. I'm not overconfident. You're just underwhelming. You are not much of a roadblock. On va mettre ça. Il va creuser. Peut-être trouver de la gestion. On a toujours notre petite maisonnette ici qui fait le taf. Je vais quand même perdre 2 points de vie.
Let your blade do the talking. I'm tired of your secrets. Et normalement, c'est terminé. Voilà. Une bonne victoire où on a pu voir l'intégralité de tout simplement des mécaniques de ce petit Golgari Midrange qui, pareil, hein, comme je vous le disais, j'ai l'impression que ça manque d'impact. C'est pas suffisamment percutant pour moi. Il manque quelques cartes qui pourraient accélérer un peu cette dynamique. Mais le fond est vraiment là et ma foi, il fonctionne plutôt pas mal. Deuxième et dernier match, vu que le premier match a duré suffisamment longtemps et on a pu voir un peu l'intégralité des mécaniques et le match était suffisamment long pour voir un petit peu comment remonte un Golgari et comment il fonctionne. Là, deuxième match, histoire de montrer un petit peu potentiellement d'autres choses. La maisonnette, on l'a pas encore forcément vue en marche. Mais alors du coup, est-ce que je vais avoir des soucis? Non. On fait ça. On a quoi en face? Ouais, on a de la... On va poser la N3-2 direct. Allez hop. On va être un peu plus agressif et menaçant. Voilà, hop. On va rester comme ça. Alors on est encore sur un Esper. J'espère que du coup le match ne sera pas aussi long. On va y aller un peu plus. On fait ça. On s'en débarrasse. On veut les points de vie de l'adversaire. On y va. On garde le boss Edge parce qu'il y a pas mal d'enchantements qui prennent. On va all-in un peu plus quand même. Hein. Même si je pense qu'il nous attend au tournant avec un sort de gestion de masse. Il lui manque un mana blanc pour faire des trucs intéressants. Il y en a notre petit terrain là qui va pouvoir mettre un coup de pression aussi. Il va avoir du mal à tout gérer, je pense. Ouais. C'est pas fameux pour lui. On va essayer de pulvériser son Jace. You can be made to obey. On va faire ça. On va tout mettre dans le Jace. Hop. Voilà, donc la menace de la meule est passée. Là par contre je pense qu'on va se manger une bonne vrasse dans la tronche. Puis on a quand même ce petit terrain 4-4 là qui fait le taf. Qui va pouvoir grappiller quelques petits points. Et maintenant qu'il a un mana blanc, il va pouvoir faire des choses après. Je pense que là il faut que je fasse un petit all-in. Encore une fois.
Alors, ce sera pas un all-in. Par contre, du coup, on va pouvoir faire ça. On fait un et deux. Par contre, le tour d'après, il y a une brasse qui part. Ah, ok, non, c'est. Qu'est-ce qu'il a à proposer? L'invasion. Ou un créature ou planeswalker. Ouais, à part la terreur, il a pas grand chose. Et Sheldred, ok. On va gagner des petits points de vie. On pioche. Alors, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'il a dans son cimetière? Terreur. Qu'est-ce que j'ai dans le mien? Pas grand-chose. Non, on va pas attaquer. Encore un match qui va commencer à s'éterniser. Et t'en crées une copie, pas mal. Il se fait une petite armée de petits goinfres. Et après. Parce que si t'attaques pas avec. Pas spécialement d'intérêt. On fait ça, on perd un point de vie. On fait ça. Et on va aller attaquer comme ceci. Et on va le forcer à le tuer pour potentiellement. Il a peur. Juste je fais de la value, c'est tout. Je cherche des anti-bêtes. Le petit jean, ok. Très bizarre cette decklist en face quand même. Toujours pas ça. Toujours pas ça.
C'est pas ce qu'on recherche, les antibêtes ne viennent pas. Forcément, au bout d'un moment, ça, il faut le contrer. Voilà. C'est trop chiant. Ça vient en boucle. Je pense qu'on va jouer l'intrus pour calmer un peu le djinn. Ah. Déjà, on peut faire ça. Ensuite, on fait ça. Ça passe pas. Non, mais dis pas qu'il a un contre. Oh, joli. Et on va jouer un petit outsider tenace. Allez, comme ceci. Il lui restait plus qu'une petite carte pour protéger sa Sheldred. Et là, on vit la situation inverse du match précédent, c'est-à-dire que je me fais remonter. Je cherche désespérément de quoi me débarrasser de la Sheldred pour être le seul à gagner des points de vie et que mon adversaire en perde. Ok. Et donc ça devient quoi? Ouais, ça va commencer à piquer. Après. Après. Ah, réflexion quand même. Là, on a une. Une 3-6 menace contact mortel. Chavoc absolu attaque. Retirer tous les marqueurs du jusqu'à un permanent ciblé. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc si je fais ça, il y a un monde où je prends 3 et 3, 6 et 3, 9. J'inflige 3 et 3, 6 et 1, 7. Il va pas me manquer grand chose. Hein. Il y a un monde où je fais ça quand même. Hein. Clairement. On va jouer ça. Si j'avais attaqué, j'aurais pu la buter. En fait, il a perdu tellement de dégâts avec l'autre là. Que... Bonne marqueur. Je vais prendre tarif. Alors, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est viable du coup. Voilà. Si j'avais fait le play différemment, je pense que si j'avais été plus offensif. Ah, mais il aurait pas perdu les points de vie avec la Sheldred. Ah, ça se jouait, je pense, à pas grand chose. Gestion mathématique qui n'est pas forcément mon fort, surtout là-dessus. Bon, bah, deux matchs longs, une victoire, une défaite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine.
Ciao, ciao tout le monde.